pourtant, ça fait longtemps qu'on n'a pas congé ensemble, ça va? Ouais, fatigué. Dure semaine de boulot, c'était... je suis crevé. T'étais en déplacement? Ouais, j'étais en déplacement à Paris, ouais. Pas beaucoup dormi. Ça va aller quand même, ça donne? Ouais, ça va me détendre. Ça va me détendre. Ouais. Oui, tranquille. Ouais. Bon, vous devez nous m'écouter un tout petit peu là. Donc, retour de la plongée, la première plongée pour certains. D'autres iront maintenant en direction du Mingant sur un tombant de 30 à 40 mètres. Donc, certains d'entre vous le connaissent. Là, nous irons côté ouest de la tourelle. Donc, c'est celle qui a le tombant vertical. Vous êtes tous confirmés, hein, autonomes. Par contre, vous n'irez pas au-delà des 40 mètres, hein, parce que c'est un groupe F, donc vous savez tous que normalement il y a du jus là-dessus. Le temps de la plongée d'aujourd'hui, ça va être 30 minutes maximum, y compris palier. Hein. Bien sûr, on revient avec 50 barres dans la bouteille. Côté ouest, c'est à peu près, il y a une vingtaine de mètres où on trouve beaucoup de faune, hein, comme, hein. Est-ce que vous avez des questions particulières ou pas? Non. Tout le monde est OK? Ça va? Pas de problème? Pour les autres qui arrivent, s'il te plaît. Ouais. Ouf. Ça va pas? Non, j'ai les jambes lourdes, fatigué, dans le coton, quoi. T'arrives pas à te lever? Non. Oh, non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bye. Et Patrick, tu sens pas bien? Comme dans du coton, j'ai une douleur un petit peu dans le bas du dos, mais oh, c'est pas grave, ça va passer. T'as remonté, comment ça s'est passé? C'était bien, on a... Les vous deux? Ouais, ça s'est bien passé, non? Ouais, il y a du courant quand même, ouais. Mais qu'il n'y a que toi? Ouais, mais ça va passer, c'est pas grave. T'as mal au dos, là? Ouais, j'ai un peu mal au dos, ouais. Ok. Daniel, on va appeler des secours, mais tu m'envoies l'oxygène, d'accord? Oh, c'est pas la peine. Non. Essaye juste de te lever, je vais enlever le banc et on va allonger de suite, d'accord? Kane, tu peux t'asseoir, si toi tu peux t'asseoir. Ouais. C'est bon, et l'oxy, ça arrive? Les signes de l'accident de désaturation sont divers, volontiers fluctuants, parfois assez discret. Ces troubles évoquent là une atteinte de la moelle épinière. Ils peuvent s'accompagner de difficultés urinaires, signe de gravité. Ça va toujours, hein, Karine? Oui, ça va, pas de problème. Bon, attends, j'ai appelé les secours. Tu veux quoi? Non. Ça va? Non. Franz Korsten de la Tizac, vous m'entendez? Je vous reçois pour l'éclair. Donc
c'est pour vous signaler un accident de plongée au niveau de la tourelle du Magan. Oui, 10F du Cross Corsair. Est-ce que vous avez le plongeur est avec vous et toujours à l'eau? Nous avons récupéré le plongeur. 10F du Cross Corsair, c'est tout bien pris. Vous êtes à quelle distance de la côte, monsieur? À peu près à un demi-mille de la côte. Est-ce que vous auriez un numéro de téléphone portable me communiquer? Oui. Donc le 06. Allô? Oui, je suis bien à bord du petit Zef. Oui, c'est le petit Zef. Oui, bonjour, c'est le Cross Corsair Monsieur Decart, c'est vous avez vu en VHF. Oui. Donc je voulais avoir plus d'informations sur l'origine. Le plongeur, il a quel âge? Le plongeur a une cinquantaine d'années là. D'accord. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors il a plongé sur un fond de 40 mètres, 31 minutes en tout. Votre palanquée, elle est à l'eau ou c'est tout le monde est remonté? Tous nos plongeurs sont remontés. D'accord, ils sont tous remontés. Le patient, pour l'instant, il est conscient, il n'y a pas de... Il est conscient, oui. On l'a mis, on le peut mettre à l'administrer de l'aspirine aussi. D'accord. Bon, écoutez, monsieur, je vais vous mettre en relation avec le SAMU 29, avec un docteur qui va coordonner l'accueil médical de votre plongeur. D'accord. Le SAMU, bonjour. Oui, bonjour, c'est le Cross Corsair, le chef de car. Oui, bonjour. Je vous appelle, j'ai en ligne un navire, le TISEF, qui me signale avoir un accident de plongée. D'accord. T'as un numéro de téléphone là, de quelqu'un sur place? C'est le 06 11 72. Je l'ai en ligne, je vais donc on fait une conférence à 3 et je vous transmets par fax la fiche de la décision. Très bien. Bonjour, c'est la permanencière là au SAMU. Donc le cross m'a expliqué, c'est pour un accident de plongée que vous appelez. Pour un monsieur de 50 ans donc, qui a comme symptôme une faiblesse au niveau des membres inférieurs. D'accord. Ok, je vais vous mettre en relation avec le médecin régulateur, quittez pas. Allô, oui, bonjour, c'est le médecin régulateur du SAMU. Donc vous appelez pour un accident de plongée, c'est ça? Donc c'est un homme de 50 ans environ. C'est ça, donc il a fait une plongée à 40 mètres. Plongée pendant combien de temps? La plongée a duré une trentaine de minutes, y compris palier. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il présente comme signe? Donc, il se plaint, donc il ne peut plus se mouvoir de ses jambes. Il a des fourmillements et petite douleur donc, au bas du dos. D'accord, donc faiblesse des membres inférieurs. Inférieur et douleur lombaire. Est-ce qu'il a uriné? Non, il n'a pas uriné. Non. D'accord, uriné. Donc vous l'avez mis sous oxygène? Donc O2, aspirine et hydratation. Ok, d'accord. Très bien. Bon, écoutez, je pense qu'il s'agit d'un accident de décompression médulaire. Il faut qu'on le passe au caisson. Le cross est là. Bon, écoutez, je pense que le mieux dans ce cas-là, c'est de se donner rendez-vous à la cale de Berthaume, qui n'est pas très loin. Donc, je vais envoyer un VSAV pour faire l'accueil à quai. Et je vais envoyer également l'hélicoptère du SAMU pour pouvoir rapatrier le patient rapidement sur le caisson. On est d'accord? Très bien. Écoutez, on lance tout et puis on va pouvoir accrocher. Le caisson Hyperbar, bonjour. Oui, Anne, bonjour, c'est Eric en régulation. Oui, salut. Oui, bonjour Eric. Voilà, écoute, je t'appelle parce qu'on a un accident de plongée donc à proximité de Berthaume sur le tombant des Mingans. Donc c'est un homme de 50 ans qui a fait une plongée à 40 mètres pendant 31 minutes. Et puis un palier de 3 minutes à 5 mètres selon ce que lui disait son ordinateur. Et qui, une fois qu'il est remonté sur le bateau, en fait, présente une faiblesse des membres inférieurs et douleurs lombaires. Il n'a pas envie d'uriner.
Voilà. Donc ils l'ont mis sous oxygène, aspirine et hydratation. Bon, je pense que c'est un accident de décompression médulaire a priori. Ouais, okay. J'ai envoyé un VSAV pour faire l'accueil à quai et l'hélicoptère du SAMU pour pouvoir le rapatrier rapidement sur le caisson hyperbare. Ok, bah écoute, on se prépare et on l'attend. Il viendra directement au caisson. Hein, d'accord. Très bien, mais écoute, on s'en occupe, hein, je te rappelle. Le vecteur le plus rapide est choisi. Le médecin hyperbare et son équipe doivent être mis en alerte par le médecin régulateur pour recevoir directement le plongeur au caisson. Vous n'avez pas de traitement en ce moment ? Non. Ok. On mesure tout ce qui va se passer. On va vous mettre allongé sur une planche pour vous évacuer du bateau dans l'ambulance des pompiers. Voilà. Après, on va le faire glisser tranquillement. Allez, on va poser les épaules ici. Voilà, ne doit pas être interrompu et la réhydratation est poursuivie. Une fiche d'évacuation a été remplie par le directeur de plongée pour transmettre toutes les informations sur la plongée et les signes présentés à l'hôpital. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Bah alors, bon. Donc c'est on va t'emmener par là-bas pour faire les transmissions et le changement de brancard. Voilà, donc on te ramène le monsieur de 50 ans là, qui a fait un accident de plongée. Ouais. Hein, donc il a plongé à 40 mètres. D'accord. La remontée était un peu difficile et donc il a présenté des troubles neurologiques 5 minutes après être remonté. Ouais. Donc là il avait des paresthésies au niveau des membres inférieurs avec une sensation de déficit plus important à gauche qu'à droite. D'accord. Donc sur place il a été perfusé, il a eu de l'aspirine. Ouais. Il a été mis sous oxygène, D'accord, et donc depuis on l'a transporté, il n'y a pas eu de problème particulier. D'accord. Donc il n'a toujours pas uriné. Hein, depuis. D'accord, ok. Donc bon. Sinon, rien de plus à signaler. Bon, on va s'en occuper. Ça va Patrick ? Ok. Bon, bon. Ouais, ça va un peu mieux ou pas ? On va passer sur notre brancard. D'accord, on va te changer de brancard là ? Voilà, les bras sur le ventre comme ça, on va vous porter. Allez, 1, 2, 3. Ça a été, monsieur. Voilà. Ça va ? Ouais. Écoute, on va t'emmener en salle de soins, te poser une autre perfusion, et puis je vais compléter l'examen clinique. On en a pour 5 minutes, et puis après, on ira dans la chambre pour la recompression. D'accord ? Je vais t'expliquer tout ça. D'accord. Allez. Oui. On va aller à 18 mètres, d'accord ? D'accord. C'est comme en plongée bouteille, hein, tu n'oublieras pas tes oreilles. Hein. T'as pas eu de soucis aujourd'hui pour les équilibrer ? Non. Florence, qui est au pilotage, elle nous entend, donc elle veut interrompre la compression à tout moment. D'accord ? Et donc, à 18 mètres, tu peux te faire un oxygène dans un place comme ceci. D'accord ? Je t'aiderai à mettre en place. On va t'en aller. Voilà. Allez. Thank you.
Action!